C'est la fin de l'année, souvent on fait un bilan, comme ça on se dit, euh, voilà, comment ça s'est passé, comment les choses se sont passées, on est un petit peu conditionné avec ces choses, et c'est vrai qu'il y, y, y a des choses heureuses, et, et c'est merveilleux, on peut se dire, ben voilà, cette année je, je suis devenu grand-père, c'est super, il y a d'autres éléments moins heureux, où on peut se dire, ben voilà, la perte de mon frère Antonio. Auquel j'étais très attaché, comme beaucoup d'autres personnes, c'était le 21 juillet. Ça passe déjà des questions, des, des, des tristesses, des pourquoi. Mais là encore, le Seigneur, le Seigneur est là et, et, et il est avec, avec nous. Et je crois qu'une des clés eh bien, pour, euh, pour vivre euh, tous les éléments de la vie, qu'ils soient bons ou peut-être plus, plus tristes, eh c'est d'être centré sur le Christ. Et c'est le thème de mon message de ce matin, une foi centrée sur le Christ. Je crois que pour tenir, pour avoir cette foi ferme, même si on a parfois des, des mauvaises nouvelles qui surviennent, eh c'est d'avoir cette foi centrée sur Jésus, sur le Christ. Pas sur nos connaissances, pas sur nos ressources, elles sont utiles, évidemment, mais une foi centrée sur le Christ. Alors Chantal a, a rappelé ce verset de l'année j'aime bien donner un verset au début de l'année qui voilà, nous, nous motive aussi dans, dans différents messages. J'avais cité ce, ce verset de Proverbe 14, verset 27, La crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. Avoir cette crainte de l'Éternel, non pas pour, pour fuir, évidemment vous l'aurez compris, mais vraiment pour se rendre compte qu'il est Dieu que tout nous vient de lui et qu'on a à avoir ce respect, on a à être centré sur lui, sur l'éternel. Et aujourd'hui encore, on va avoir cette fois centrée sur Dieu, sur le Christ. On va voir différents versets qui nous encouragent à être focalisés sur lui et, et sur l'essentiel. Des fois, on peut avoir la crainte des hommes, la crainte de, de différentes choses qui nous arrivent. Mais ce que Dieu nous rappelle, eh c'est d'avoir la crainte de l'essentiel, c'est-à-dire de lui. De, de sa justice parce qu'il est amour mais en même temps il est justice il est vérité et on a vu différents messages sur les dangers de partir à la dérive aussi l'importance de s'appuyer sur la parole de Christ alors aujourd'hui j'aimerais nous poser la question est-ce qu'il nous est arrivé de nous poser la question par quelle grâce on est en vie aujourd'hui pour quelle raison est-ce qu'on existe c'est ces questions existentielles, pourquoi est-ce que, est que j'existe Dieu nous a créés, non parce qu'on le méritait, non pour nous faire souffrir aussi. Il y a certaines personnes qui disent, mais j'ai rien demandé à Dieu pour être sur Terre. Je n'ai pas demandé d'être là et, et ma vie n'est que souffrance. Parfois on entend ça et, et c'est toujours désolant parce que c'est vrai, il y, y a des personnes qui souffrent dans leur santé, dans leur corps et c'est dur la vie et des gens qui peuvent dire ⁇ Mais pourquoi Pourquoi je suis là ?⁇ J'ai rien demandé à Dieu pour être sur terre. Dieu nous a créés non parce qu'on le méritait, ni pour une raison quelconque, et bien évidemment pas pour nous faire souffrir, mais tout simplement parce qu'il l'a voulu, mais encore, Dieu nous a adoptés comme ses propres enfants, non parce qu'on l'aurait demandé, mais parce qu'il nous a aimés. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes qui passent par des temps difficiles, on pourrait dire Mais en quoi Dieu, tu nous a aimés Et on avait vu un message aussi sur ce thème Est-ce qu'on peut douter de Dieu Est-ce qu'on peut douter de l'amour de Dieu Et c'est évidemment des questions légitimes, mais Dieu nous a aimés, Dieu nous témoigne de son amour, Dieu nous a témoigné de son amour et Dieu continuera de nous témoigner de son amour. Et ce choix de Dieu montre eh qu'on n'existe pas par hasard. En effet, on a été créé par et pour lui. Et ça, c'est important de s'en souvenir tous les jours de notre vie. On est là par et pour lui. Quoi que ce soit que vous viviez, rappelez-vous eh bien, que vous êtes là pour Dieu. Parce que Dieu vous aime, parce que Dieu a un plan. Et on va lire dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Versets 15 à 23 des textes qui nous rappellent eh bien qu'on est appelé à être centré sur Christ, avoir cette foi centrée sur Jésus-Christ. Colossiens 1 15 à 23. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par et pour lui. Tout, ça veut dire vous aussi. Hein. Tout est créé par et pour lui. Verset 17. Le Christ existe avant toute chose et tout existe et ne tient que par lui. Verset 18. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez même ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors, vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Verset 23. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Ce texte, je l'ai lu il y a quelques temps en arrière et, et vraiment, il m'a accroché. Il m'a accroché. Dimanche passé, j'ai prêché sur euh, Genèse 1 aussi, la, la création. Dieu est à la base de toute chose, de tout ce qui existe. Et là, on revoit dans Colossiens aussi que, que Christ est la, à la base de tout ce qui existe. Et, et ce texte m'a vraiment impacté. M'a impacté déjà en me disant Mais l'importance de regarder à Jésus. Regarder à Jésus, ce verset 15, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. C'est vrai que personne, et au verset 16, tout est créé par lui et pour lui. En fait, il est Dieu, il est le créateur de tout ce qui existe, et tout ce qui existe ne tient que par lui. L'un des aspects de l'hérésie qui menaçait l'Église de Colosse était le refus de voir Christ comme étant Dieu. C'était juste quelqu'un de, de créé comme ça, mais il n'était pas vraiment Dieu et là il est dit qu'il a toute la plénitude de dieu en lui paul combattait cette erreur en présentant un plaidoyer vigoureux en faveur de la divinité du christ et ça change tout si on voit christ juste comme un homme normal eh bien euh, il nous manque vraiment cette, cette vision de, de cette unité de dieu entre le père le fils et le saint-esprit christ et dieu et tout est tout de Christ est de Dieu. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Par contre, le Christ est cette, cette image, cette illustration, et le mot grec pour image, c'est icon, qui a donné aussi le mot icône, littéralement, ou si on traduisait littéralement ce terme grec, c'est être comme. Le Christ est comme Dieu. Il est comme Dieu, il est Dieu. Il est ce portrait, cette ressemblance. Jésus-Christ est à la ressemblance parfaite de Dieu. Il a la forme même de Dieu depuis toujours. Et pourtant, dans Exode 20, verset 4, lorsque Dieu a donné à Moïse et au peuple d'Israël les dix commandements, il est dit, Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Donc on a cette interdiction de se fabriquer des icônes, justement, des illustrations de, de Dieu. Et là, Paul va dire, mais vous avez reçu l'icône parfaite, la représentation parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez, vous l'avez, je vous l'ai donné, il est venu sur terre il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, cette représentation parfaite de Dieu, elle est manifestée en esprit dans nos vies par le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 9, et il y a d'autres textes qu'on pourrait lire aussi, Jésus lui répondit Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire Montre-nous le Père L'importance de nouveau est eh bien de regarder à Jésus. Est-ce qu'on regarde en tout et pour tout à Jésus Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça serait une erreur de se tourner vers d'autres personnages de la Bible, même s'ils ont vécu, même s'ils ont eu une importance énorme. Ça serait une erreur parce que, en fait, si on veut s'approcher de Dieu, on est appelé à regarder à Jésus à regarder à Jésus. Jésus va, va répondre à ses disciples, et notamment à Philippe, Je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père, quand il lui demandait, Montre-nous le Père. En décrivant Jésus de cette façon, Paul souligne eh bien, que, que Jésus constitue à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est donc pleinement Dieu à tous égards. Dans Jean 10, verset 30, Jésus va dire ⁇ Moi et le Père, nous sommes un ⁇ Moi et le Père, nous sommes un ⁇ Il n'y a pas de différence. On voit cette unicité de Dieu. Donc l'importance de tourner nos regards vers Jésus. Chaque jour, vous avez des difficultés, vous avez des joies. Vous avez peut-être des soucis, vous avez peut-être des maladies, vous avez des questions. Tournez-vous vers Jésus, qui vous ouvre la porte du Père, la porte du Royaume de Dieu. On voit donc l'importance dans ce texte du fait que le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. L'importance de tourner nos regards vers Jésus. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte de Colossiens, c'est que Jésus est le premier en tout et pour tout dans les versets 18 et 19 de Colossiens 1, c'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Il y a plusieurs métaphores dans la Bible pour décrire l'Église, une famille un bâtiment composé de pierres vivantes, une fiancée, un troupeau. Vous trouvez toutes ces illustrations, ces métaphores dans la Bible et bien d'autres. Mais l'image du peuple de Dieu en tant que corps se trouve que dans le Nouveau Testament. L'Église est ce corps de Christ. L'image du corps désigne un être vivant. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une activité, mais c'est une assemblée de personnes qui se réunissent autour de Christ. On est le corps de Christ et lui est la tête. Que Jésus en soit la tête montre qu'il est le coordinateur aussi, celui qui en donne la cohérence. Et nous sommes dans un lien organique, vital, vivant avec Jésus-Christ. Personne ne peut vivre sans tête. C'est logique. Quand on dit que quelqu'un a perdu la tête, bon, c'est une illustration, mais malheureusement. Suivant dans quel pays on vit, ça peut encore euh, être littéralement euh, une triste réalité. Si on est amputé d'un membre de notre corps, par exemple un bras, une jambe, si on perd un œil, on peut continuer de vivre. Par contre, si on perd la tête, personne ne peut vivre. Personne ne peut vivre. Christ n'a pas seulement créé l'univers et tout ce qu'il renferme, il a aussi créé un homme nouveau, un peuple nouveau, il a créé l'Église. Mais si Christ n'est pas la tête de l'Église, l'Église n'est rien du tout. L'Église n'est rien du tout. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas qui est la tête de l'Église, mais c'est Christ. C'est Christ. Si Christ n'est pas la tête de l'Église, l'Église a aucun sens. Et là, la Bible le dit clairement. Sans tête, il n'y a pas de vie. On n'est pas appelé à se tourner vers quelqu'un d'autre que vers la tête qui va donner un sens, une direction, qui va gouverner en finalité, qui va être là, qui va être le cerveau, qui va être la direction. Par son Église, Christ poursuit actuellement son œuvre dans le monde et les hommes d'aujourd'hui peuvent pas voir christ parce qu'il est remonté au ciel mais ils peuvent nous voir nous qui formons l'église du christ et c'est pour ça que l'église est importante aussi ils doivent donc être en mesure de voir christ en nous pas en des individus juste comme ça séparés mais dans l'église aussi on doit pouvoir rencontrer jésus-christ et pas une religion mais vraiment être en relation avec ce dieu vivant et vrai ça devrait être notre ambition, vivre comme Christ a vécu, pour qu'en nous regardant vivre, les autres puissent découvrir Jésus dans notre façon de vivre. Et la présence du Saint-Esprit du Christ doit se refléter dans nos paroles, dans notre attitude quotidienne. Les hommes connaissent Dieu par Christ et ils peuvent connaître Christ par nous, plus exactement par l'Esprit-Saint qui habite en nous. Dans Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est dit, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne savez pas cela C'est Paul qui pose cette question. Encore dans Galates 2, verset 20 Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Ou encore dans Ephésiens 2, verset 22, En lui, vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça que c'est important et bien d'autres versets que vous pourriez trouver dans la Bible. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. En quelque sorte, on est cette icône de Dieu aujourd'hui, cette représentation de Dieu en esprit sur terre. On devrait voir Christ en nous, dans cette église, et j'espère que toute personne qui franchit la porte de cette église, mais aussi chez nous, parce qu'on transporte aussi cette présence de Dieu chez nous, dans nos maisons, dans nos foyers, sur notre place de travail. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela On est cette habitation et c'est important. Toute personne qui vit hors de ce corps eh bien, se prive de grandes choses. J'ai entendu ce témoignage aussi. d'une personne qui disait, euh, qui disait, mais je ne sais pas comment tu fais pour être dans la paix. Moi, si on m'annonçait ça, je serais vraiment euh, à râler, pas complètement détruite. Je sais pas ce que je ferais si on m'annonçait ça. Puis elle a dit, mais c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour moi. C'est parce qu'il y a Dieu qui me soutient. C'est parce que je vis cette présence de Dieu. Elle ne l'a pas fait de façon triomphale, mais en reconnaissant eh bien, que tout nous vient de Dieu et des personnes qui peuvent avoir été rattachées à Christ ou à son corps ou à l'Église, et qui, pour X ou Y raison, s'en sont détachées, eh bien, se privent aussi de cette force de la communion, cette force de la prière, cette force d'une chaîne de prière. En lui, vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ne vous privez pas aussi de de vous frotter les uns les autres, même si parfois ça fait des étincelles. Mais là encore, eh bien, il y a le troisième point de mon message qui vient eh bien nous, <laughs> nous encourager. C'est les versets 20 à 23. Jésus est le réconciliateur. Jésus est le réconciliateur. Et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Ce n'est pas évident à vivre. Hein Il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils, pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Ce n'est pas juste dans les cieux comme ça, on est sauvé, on est en paix avec Dieu, mais aussi sur la terre entre nous. Verset 21, vous autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Verset 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans défaut. Et sans faute, pardon. Verset 23. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendue, on l'a annoncée à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Serviteur de la bonne nouvelle, la réconciliation, avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Paul indique que le but de Dieu était de tout réconcilier avec lui-même. Tout. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que Satan et ses esprits mauvais seront réconciliés avec Dieu et obtiendront le salut Non, bien sûr que non. Certainement pas. Mais toute la création doit être assujettie à Jésus-Christ. Satan, ses anges. Qui ont reçu le châtiment éternel seront placés, malgré eux, sous l'autorité du Christ aussi. Sous l'autorité du Christ et à l'endroit que Dieu a décidé d'avance, où ils seront séparés, la présence glorieuse de Dieu. Mais nous, qui avons cru, eh bien, on a cette demeure éternelle qui nous est préparée, ces maisons, ces places qui nous sont réservées d'avance. Dans Ephésiens, 1, verset 22, il est dit, oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. L'importance de nouveau de regarder à Christ, c'était mon premier point, de venir à Jésus, d'être une Église. Qui a une foi, qui a une théologie, pardon, christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus-Christ. Pas sur des philosophies, pas sur du blabla, mais sur Jésus. Parce que tout est par lui et pour lui. Alors j'aimerais conclure ce matin en nous invitant à nous attendre à Dieu, à Jésus chaque jour. Ces beaux versets qu'on a lus dans Colossiens 1, 15 à 23, nous invitent à regarder à Jésus à considérer que, que Jésus est le premier en tout et pour tout et que Jésus est le réconciliateur. C'était aussi la devise de s'attendre à Dieu, à Jésus-Christ. Chaque jour, la devise de William Carey, qui était missionnaire en Inde, qui a vécu en 1760 jusqu'à 1830 à peu près, on l'appelle le père de la mission moderne. Être s'attendre à Jésus. Est-ce qu'on s'attend encore à Jésus? Est-ce qu'on s'attend à lui Ce mot d'ordre est valable pour chaque chrétien, mais pour vivre dans cette perspective de foi, deux regards sont nécessaires le regard sur le passé, comme on peut faire en fin d'année, par exemple, et celui orienté aussi vers l'avenir. Et pour avoir un regard orienté vers l'avenir, de nouveau, faut regarder à Jésus, pas vers notre compte en banque, pas vers nos projets, pas vers nos ressources. Ça peut être utile, évidemment. Celui qui veut construire une tour doit s'asseoir et, et calculer la dépense, évidemment. Mais regardez à Jésus. Certains vont peut-être dire Ah, le bon vieux temps. Même dans l'Église, Ah, le bon vieux temps, les bons vieux chants, les bons vieux... C'est bon de les chanter, c'est bon le bon vieux temps aussi. Mais je crois que c'est pas bon d'allumer la radio nostalgie. Notre mémoire se plaît à retenir du passé ce qui était beau et agréable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou même les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, eux aussi, déjà, nous montrent combien très vite ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils avaient en Égypte. Et je crois que l'être humain est tellement bien fait par, par Dieu, eh bien, qu'on oublie aussi souvent les mauvais moments qu'on a vécus pour garder certains bons moments. Ça nous aide à vivre, autrement on deviendrait fou, j'imagine avec une accumulation des fois de souffrances et de mauvaises choses, on a tendance à embellir le passé. Même des gens qui ont été abusés, qui ont été frappés, qui ont été, souvent, ils ont tendance à embellir encore certaines situations qui ont été juste atroces. Mais le regard sur le passé n'est pas toujours judicieux lorsqu'on se livre à des comparaisons. Les comparaisons, Al ah, le bon vieux temps, Al ah, pasteur d'avant, à ah, ceci, à ah, cela, à ah, patati patata. Ecclésias 7, verset 10 nous rappelle :« Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » C'est pas le passé qui était meilleur, c'est juste ta mémoire qui a flanché un petit peu. Par contre, ce regard est optimal s'il prend appui sur des événements du passé pour susciter la reconnaissance. Où là, on va dire, ben oui, Dieu, tu as été présent dans le passé. Et c'est ce qui m'a aidé à vivre. Comme le psaume 103, verset 2, qui dit Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si ce regard sur le passé te pousse à la reconnaissance, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est génial. C'est génial de, de se pencher sur le passé. Si. Ça nous pousse eh bien, à la louange, à l'adoration. se souvient de ce chant qui dit Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et c'est bon de faire la liste eh bien, des bontés, des, des secours de l'éternel. S'il est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction du passé, on est invité à vivre le présent, qui n'est pas toujours simple avec une actualité qui défile des fois à toute allure, où une nouvelle en chasse une autre, où il s'agit de faire face aux nouveaux défis qui nous prennent au dépourvu, où notre monde même semble échapper à tout contrôle. Mais Dieu n'est pas pris par surprise et il nous rappelle pour nous rassurer que Jésus-Christ elle-même, hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est la solution. Là encore, il est celui qui donne la sagesse, celui qui a donné la sagesse à toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi celui qui veut nous donner la sagesse pour vivre dans notre temps avec les défis qui sont les nôtres. Il y a beaucoup de défis dont on entend parler par les médias, par différents savants, différents érudits, et je crois que là encore, eh bien Dieu veut qu'on tourne nos regards vers lui. On a raison de s'attendre à lui chaque jour, tout à nouveau, par sa grâce renouvelle chaque matin. En Christ, je crois qu'il n'y a aucune nostalgie du passé. Il ne parlait pas de rétablir les choses anciennes dans leur idéal, mais il est venu pour faire toutes choses nouvelles. Et ça, c'est très différent. Ce que Christ veut, c'est pas juste faire du rapiessage, du rafistolage, mais il veut faire toutes choses nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que Jésus veut faire quelque chose de neuf aujourd'hui encore. Jésus n'a pas fini de créer quelque chose de neuf. Dieu n'a pas fini de faire quelque chose qui nous surprend. Dans Apocalypse 21, verset 5, il est dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et vous pouvez chercher d'autres textes qui nous parlent eh bien, que Dieu veut faire quelque chose de neuf encore aujourd'hui. Ce qui m'encourage, c'est d'observer, de voir, de constater les choses nouvelles que le Seigneur a faites dans la vie des uns et des autres. De voir des personnes eh bien, qui sont passées des ténèbres à la lumière, qui ont été éclairées par Jésus et qui ont leur vie qui a changé, qui sont éclairées par l'amour de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est accueilli dans le cœur d'un croyant, une nouvelle qualité de vie s'installe, une vie qui se renouvelle sans cesse. Pour caractéristique, le regard positif vers l'avant. Quand bien même il y a des difficultés, quand bien même il pourrait y avoir des échecs, quand bien même il pourrait y avoir des désillusions aussi, face à, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décès subi d'une personne, euh, voilà, qui décède bien trop vite ou d'autres maladies qui pourraient survenir, d'autres soucis. Tout le monde le sait, ce qui est nouveau aujourd'hui sera vieux demain. Je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, quand j'étais jeune, je considérais vraiment les vieux comme vieux. Hein. Puis maintenant, à 50 ans, tu vois que les jeunes te considèrent vraiment comme un vieux. Quoi. Et je me dis, mais ça sera comment si j'arrive à 70 ans Oula, on va me prendre pour un dinosaure. Et on veut toujours courir vers la nouveauté. Toujours courir vers quelque chose de, de nouveau. Mais les modes, eh bien, sont souvent démodés demain. Demain, déjà, ce sera plus à la mode. Ce qui est actuel, aujourd'hui, sera oublié dans peu de jours, malheureusement. À l'inverse, ce que Dieu fait est frais, neuf. Voilà pourquoi on a raison de s'attendre à lui. Sa Bible, elle est la Bible, la Parole de Dieu, elle reste actuelle, même si elle a écrit, été écrite il y a des, des centaines, des milliers d'années. Et je vous souhaite de vivre vous-même ce renouvellement quotidien en laissant le Seigneur vous parler, vous toucher, vous ressourcer dans votre besoin, comme William Carey a dit. Adoptez aussi sa devise Je veux m'attendre à de grandes choses de sa part. Est-ce que vous vous attendez à de grandes choses de sa part est-ce qu'il est capable encore de faire quelque chose de neuf dans votre vie, quelque chose de nouveau, pas juste du rapiéçage, pas juste mettre une petite couche de peinture, parce que la petite couche de peinture, peut-être dans dix ans, il faudra en remettre une, parce que ça sera déjà défraîchi. Alors c'est bon pour les peintres, ça leur donne du boulot, mais Dieu veut faire quelque chose de neuf. Dieu veut faire quelque chose de neuf, de nouveau. Alors que ce texte de Colossiens 1 nous invite vraiment à tourner nos regards vers Jésus. Parce que Jésus est le premier, Jésus est ce réconciliateur. Et Jésus eh bien, veut nous inviter aussi à considérer eh qu'on peut s'attendre à lui jour après jour. Amen Est-ce que ce n'est pas un beau programme qui nous encourage à regarder à Jésus. Peut-être vous pouvez penser à une chose difficile ce matin, quelque chose d'impossible à résoudre humainement parlant, quelque chose qui vous préoccupe. Il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par, et certainement à juste titre, par toute la pollution environnante, tout, tout le climat, qui, le réchauffement de la planète aussi. Là encore, peut-être certains vont, vont être déprimés en disant mais il n'y a pas d'avenir, à juste titre peut-être. Mais là encore, on est invité à regarder à Jésus et à trouver aussi la sagesse, la sagesse pour euh, déjà vivre, la sagesse pour être en paix aussi, et la sagesse pour considérer là encore que Dieu tient le monde dans sa main et tant qu'il n'a pas décidé de lâcher le monde tant qu'il revient pas eh bien le monde va quand même continuer à tourner d'une manière ou d'une autre je ne sais pas comment mais dieu est dieu peut-être il y a des questions de travail peut-être il y a des questions de couple peut-être il y a des questions de, de finances peut-être il y a des questions de santé qui vous préoccupent peut-être qu'il y a d'autres questions pensez à une chose et en disant mais je veux regarder à jésus pour qu'il me donne la sagesse comme joseph avait reçu la sagesse aussi alors qu'il était en prison pour, pour sortir déjà de prison mais aussi pour répondre aux besoins de l'époque qui était la famine Trouvez la sagesse en christ et regarder à jésus ce que je crois qu'encore aujourd'hui, eh bien Dieu veut se révéler, donner, donner la solution, donner la joie de vivre aussi, donner la capacité de continuer et donner aux chrétiens, eh bien la capacité de, de s'unir ensemble pour qu'il y ait des changements aussi qui soient visibles dans cette société. Je crois qu'on est appelé à être le sel et la lumière de la terre, apporter des bonnes nouvelles. Jésus-Christ. Pensez à une chose, peut-être pas à tout en même temps, mais à une chose qui vous préoccupe et où vous ne voyez pas de solution, humainement parlant. Et en disant, mais Jésus, donne-moi la sagesse, que je puisse faire la différence et apporter un changement manifeste, ou voir que tu peux faire quelque chose de neuf parce que tout est créé par toi, pour toi, tout tient par toi aussi. Jésus, je te remets mes frères et sœurs qui, qui pensent à telle ou telle chose qui les préoccupe, afin que tu leur donnes la sagesse, afin que tu leur donnes la foi, cette foi centrée sur Jésus, sur toi. Afin que tu les guides, Seigneur, dans tes plans, non pas pour être déprimé en voyant ce qui se passe autour de nous ou telle ou telle chose hein, irrésolvable, mais Seigneur, cette foi qui déplace des montagnes, cette foi qui suscite un changement, cette foi qui met en mouvement, comme différents personnages dans la Bible ont été mis en mouvement parce que tu les as guidés et appelé à faire des choses qui n'existaient pas avant. Seigneur, qu'on soit des visionnaires, non pas de choses futiles ou inutiles, mais Seigneur pour apporter ta présence sur Terre dans les défis de la société, dans les défis de nos familles, dans les défis de nos vies, peut-être dans les défis de nos santé ou de notre travail. Tu l'as fait par le passé. Et Seigneur, tu peux le faire encore aujourd'hui. Béni soit ton nom Jésus, Amen.